La vie de l'esprit pour des expériences vivantes et surnaturelles. Hier, nous avons parlé de thème. Quelqu'un pour me dire le thème qu'on a abordé hier et ce qu'il a compris sur le thème de façon essentielle avant qu'on ne poursuive ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'on a compris de ce qu'on a vu hier? Oui? Oui, c'est bon. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Hier, nous avons parlé de l'amour. Oui. C'était le thème principal. Il n'y avait pas autre chose que l'amour. Amen. Et ce que j'ai retenu de l'amour, c'est que l'amour est à la base de tout. Alléluia. Sans amour, rien n'existe, rien ne sera éternel. Amen. Tout va s'effacer. Amen. La base de l'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Penser à l'amour, c'est penser à Dieu. Croire à l'amour, c'est croire à Dieu. Manifester de l'amour, c'est manifester Dieu lui-même. Amen. Ce que j'ai retenu, c'est que de temps en temps, j'ai beaucoup pleuré moi-même parce que je croyais que je développais de l'amour, mais j'ai longtemps manqué de l'amour. C'est à partir d'hier que j'ai eu de l'amour. Alléluia! Acclame le Seigneur pour sa vie. Plus en disant comment est-ce que j'ai eu l'amour hier. J'ai déjà eu à pleurer des gens. J'ai déjà eu à parler des choses qui ont blessé. J'ai déjà eu même mes propres enfants. Vraiment, je veux me repentir et interpeller tous les enfants que j'ai élevés parce que moi, je voyais la faute, je mettais toujours le doigt dans la faute de l'autre. Et chaque fois que l'enfant faisait une chose, c'est avec son père que je me reprimandais. Et l'enfant, mes enfants se sont peu recouvriés. Et j'ai beaucoup blessé pour ne parler que de ça. Mais je comprends que si Dieu gratuitement nous a donné de l'amour, il faut donner de l'amour à l'autre. Il faut interpeller l'autre. Quand ton frère est blessé, ne parle pas de son péché. Sache qu'il est comme s'il est tombé dans un trou là des blessures. Tends-lui la main, sors-le du trou et oublie ce qu'il a fait. Pense ses blessures. Quand ça se cicatrise, avec beaucoup de sympathie, avec beaucoup d'amour, rappelle-lui. Est-ce que tu te rappelles de telle chose? Comment est-ce que tes cicatrices là, tu les as eues? Est-ce que tu vois que c'était bien? N'y reviens plus. C'est de cette manière qu'il faut rappeler l'autre par rapport à l'amour. Donc, l'amour en soi doit être le socle de notre vie. Sans amour, nous n'avons rien. Ne pas avancer des paroles pour faire mourir ton frère. Car quand ton frère pleure, ton frère est mort. Exactement. Mais quand tu avances des paroles d'amour, des paroles pour ramener ton frère, ça veut dire que tu lui donnes la vie. Les paroles d'amour, c'est la vie en soi. La vie, c'est la parole, c'est la lumière. On ne peut éclairer qu'à travers l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut illuminer partout où nous sommes. Amen. Pour ne pas prendre la parole toute la soirée. L'amour, pour seulement l'amour, que tout se résume à l'amour. Et je crois que vraiment, cette prescription m'a touchée. Et ça s'est manifesté dans ma vie aujourd'hui. Puisque parlant de l'amour, j'ai prié que j'ai un dossier qui est devant mon chef. Et que j'aimerais qu'il réagisse et que lui, que le Seigneur, l'amour que Dieu a prescrit dans mon corps, lui prescrit.
décrire cet amour. Depuis deux semaines, mon dossier est devant lui, il ne signe pas. Mais ce matin, quand je suis arrivée, il m'a dit, maman, madame, j'ai dit, oui, monsieur, il dit, viens, viens dans mon bureau. Je suis allée dans son bureau, il m'a dit, voilà ton dossier. On va te faire un bon bureau, va à l'administration te faire un bon bureau. Donc, le dossier est déjà passé. Amen. Ce que je n'attendais pas de plus. Ah. Donc, j'ai dit, tu veux comment le témoignage de l'amour. Parce que j'ai prié pour lui. La haine que j'avais au fond de moi, d'être vide de haine, dit que mais comment il me menace tant. J'ai dit, on m'a prescrit de l'amour. Je lui donne de l'amour. Je comprends qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, touche ton cœur par l'amour que tu m'as donné aussi. Amen. Le Seigneur a touché ton cœur, il a agi. Amen. C'est deux semaines. Le dossier a fait deux semaines avec lui. Oui. Et chaque jour. Et tu étais en colère contre lui, c'est ça? Pas trop, puisque j'avais déjà compris. J'ai dit, j'ai compris que quand évoluer avec des gens, si vous n'êtes pas tous animés par l'esprit de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas aller dans le même sens. Donc en comprenant ça, ça m'écœurait, mais je le comprenais. Je savais que c'est parce que nous ne sommes pas du même jargon quand même. Mais une reine très profonde, vraiment non. Okay. Mais bon, j'ai prié quand même que Dieu touche son cœur. Amen. Et le matin, vraiment, le résultat était en place. Amen. Shalom, shalom. Ça, c'est le résumé de maman. Maman Marie. Maman Marie. Qui d'autre? C'est beau à entendre, n'est-ce pas? Qui d'autre veut témoigner ou bien veut dire ce qu'il a compris de ce qu'on a fait hier? Oui, notre sœur Tabitha. Shalom. Pour déjà dire, ce qui m'a touché beaucoup hier, c'est on parlait de l'amour. Et l'amour, moi je le comprenais dans ma part de sens, mais hier j'ai compris la profondeur de l'amour. Et je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais chez ma tante, parce que c'est une tante que j'aimais beaucoup. Je n'ai pas voulu d'elle parce que je l'aime encore. Mais je n'arrive plus à supporter son comportement. Je ne supportais pas cela et je ne voulais pas devenir comme elle. Donc on avait toujours. Mais hier, j'ai compris que vraiment, comme vous avez dit hier, il faut supporter les injustices. Je n'arrivais pas à supporter, mais j'ai compris que vraiment, dorénavant, il faut que j'apprenne à supporter les injustices. Parce que quand on aime, on supporte l'autre. Donc c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Et franchement, toute la journée, je me suis sentie dans la joie. Je ne comprenais pas pourquoi, mais le Seigneur a travaillé en moi. Alléluia! Elle n'était pas là hier, elle a suivi en direct, c'est ça? Donc, quand je suis arrivée. Shalom. Quand je suis arrivée aujourd'hui vers 15h, j'ai demandé une petite. Et on vous a expliqué? Je m'expliquais moi-même. Ok. Amen. Bon, le thème, en fait, c'était exercer et progresser dans l'amour de Dieu. Et on a parlé de l'amour de Dieu et de l'amour. On a dit que l'amour, simplement, c'est un sentiment qu'on éprouve envers quelqu'un ou envers quelque chose. Et que l'amour de Dieu, c'est un ensemble de fondements de base pour le décollage dans la vie chrétienne. Maintenant, pour moi, ce que qui m'a beaucoup touchée dans ça, c'est que avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour des personnes qui sont parfaites. Et il est venu par amour. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'ai compris que l'amour ne se manifeste pas seulement parce que la personne est bonne. Mais plus encore, quand la personne n'est pas bonne, vraiment pécheresse, et que c'est au travers de toi, de l'amour de Dieu qui est en toi, que cette personne pourra être transformée. Donc, le véritable sens de l'amour pour moi, selon cet enseignement, c'est que pour vraiment voir si tu aimes quelqu'un, il faudrait que cette personne t'ait blessé, il faudrait que cette personne soit faible, il faudrait que cette personne soit vraiment dans une position de te mettre en colère. C'est en ce moment-là vraiment qu'on va voir si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Parce que généralement, on dit je t'aime parce que bon, tout va bien, on sourit. Mais quand la personne va manifester un sentiment négatif, ce sera plus ça. Ce sera un autre comportement qui va s'afficher.
mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Parce que c'était le cas, avec tous nos péchés, il n'allait pas venir. Amen. 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 Donc, c'est tout. Trois femmes ont parlé et aucun homme n'a parlé. Ou bien maman peut parler. Ok, qui veut parler encore? J'ai un frère. Ok, un frère. Shalom, shalom. Oui. Bon, votre enseignement a été basé principalement sur la loi. Et moi, j'ai compris que les piliers d'une vie chrétienne doivent être basés sur l'amour. Avant toute chose, tout doit commencer par l'amour. Donc moi j'ai compris aussi, on ne peut pas chercher les dons, tout ça, etc. Alors qu'en nous-mêmes, il n'y a pas de l'amour. Donc moi j'ai compris que dans une vie chrétienne, tout doit commencer par l'amour. Amen. Tout doit être basé d'abord et principalement sur l'amour. Amen. En tout cas, nous sommes le Seigneur pour tout le résumé que vous avez fait. C'est déjà l'essentiel à tous les niveaux. Même si je donne la parole à tout le monde, chacun va répéter la même chose autrement. Parce que chacun comprend les choses à sa manière, selon que le Seigneur lui permet de les comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons pour thème vaincre la chair et ses désirs. Comprendre ce que c'est que la chair et comment dominer sur la chair, comment vaincre définitivement et totalement la chair, ses passions, ses œuvres, et ne pas être redevable à la chair. Alléluia. Quand nous parlons de la chair, nous voyons deux grandes définitions, deux grands concepts qui régissent la chair, qui parlent de la chair. La chair, premièrement, est la partie animale du corps humain. La partie animale qu'on voit, c'est-à-dire la partie visible qu'on voit. Et elle fait à la fois allusion à la peau et à la combinaison du corps matériel et immatériel, c'est-à-dire la cohésion entre l'âme et le corps. Je ne sais pas si vous comprenez. La chair est cette partie visible du corps, cette partie qu'on peut toucher, cette partie qui est liée et reliée directement avec notre corps. Quand on parle de la chair, on parle du corps physique qu'on voit, qu'on touche, et qui est aussi liée au sang, parce que le sang se trouve dans la chair. Et la chair, dans sa première définition, qui est le côté animal, est la cohésion ou bien l'ensemble du corps matériel et du corps immatériel. Le corps matériel ici, c'est ce corps que vous voyez, ce corps que je touche, que vous voyez. Et le corps immatériel, c'est le corps qu'on ne voit pas, mais qui se trouve dans ce corps qu'on touche, mais qui donne vie à ce corps, qui ranime ce corps, et c'est lui qu'on appelle l'âme. Donc c'est lui qui se trouve dans le corps, et c'est l'ensemble de ce corps matériel ou mortel et du corps immatériel qui est l'âme qui forme la chair. Donc quand on parle de chair, c'est le corps qui meurt, qui va à la poussière, et aussi le corps qu'on ne voit pas, mais qui réside spirituellement dans le corps de la chair pour donner vie à l'âme. Donc en réalité, Dieu n'a pas, l'homme n'est pas le corps que vous voyez. L'homme que Dieu a formé est d'abord esprit. Et quand Dieu a fait l'homme esprit, parce que Dieu a fait l'homme selon son image, et Dieu est esprit, nous le savons tous, Dieu est esprit. Donc quand il a fait l'homme esprit, puisque l'esprit ne peut pas résider dans la dimension physique, l'esprit ne peut pas toucher le mur. Et Dieu a créé la terre. Et il faut que l'homme habite sur la terre. Dieu a formé maintenant un corps à l'homme. Et quand il a formé le corps, son rôle, c'est de lui permettre d'être dans cette dimension visible où nous sommes, cette dimension physique. Donc, il a apporté maintenant ce qui va relier
l'esprit et le corps. C'est-à-dire ce qui sera l'intermédiaire entre le corps physique que nous voyons et l'esprit qui est le souffle divin, le souffle de Dieu, qui va maintenir l'homme ou qui va permettre à l'homme d'interagir avec les choses visibles du monde, avec la terre, avec les végétaux, avec la nature. Donc, cette chose, cette chose que Dieu a créée, ou cette entité, voilà, c'est mieux, cette entité que Dieu a créée s'appelle l'âme. Donc l'âme est l'élément connecteur, l'élément médiateur entre l'esprit et le corps de l'homme. Et l'âme se trouve dans la chair, se trouve dans le corps de l'homme. C'est à cause de l'âme que nous pouvons avoir accès à ce monde visible. C'est à cause de l'âme, bien par l'âme, que nous pouvons sentir la douleur ou sentir des émotions ou avoir des sensations. C'est l'âme dans notre corps qui nous permet d'avoir toutes ces choses. Donc la chair représente le côté animal de l'homme. Donc quand on parle de l'homme animal, on est en train de parler de l'homme qui est fait de chair ou de l'homme qui est dominé par son âme et son côté physique, qui est le corps que nous voyons. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'homme animal, dans 1 Corinthiens 2, 14, qui ne mène pas les choses de Dieu, c'est cet homme qui n'opte pas pour l'esprit. Dieu lui a donné l'esprit. Mais lui, il est beaucoup dans la dimension de l'âme et du corps. La Bible nous dit dans Lévitique 17, 14, que l'âme de toute chair est dans son sang. Et l'Éternel dit, c'est pourquoi je vous ai interdit, je vous ai dit, vous ne mangerez pas la chair. Parce que celui qui mange la chair est considéré comme un meurtrier. Parce qu'il est en train de manger l'âme. Il est en train de bouffer l'âme. Et Dieu n'aime pas qu'on mange l'âme. C'est comme la sorcellerie. C'est pourquoi aujourd'hui les sorciers sont, pas même aujourd'hui, Dieu n'aime pas les sorciers. Dans le sens où la sorcellerie peut détruire, peut tuer. Quand je dis Dieu n'aime pas les sorciers, il ne veut pas les sauver. Je parle d'abord de la première alliance où Dieu dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre le magicien ou la magicienne. Pourquoi? Il influence l'âme, il mange le corps de l'homme. Donc le corps animal, c'est le corps de la chair. Donc quand on dit la chair, bibliquement, dans le sens biblique, d'abord, on parle de notre dimension physique, vous voyez, le corps matériel et aussi le corps immatériel, qui est spirituel, et aussi le corps matériel qui n'est pas spirituel, mais qui est physique. Et les deux ensemble forment la chair. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Est-ce que vous comprenez déjà ce que je suis en train de vouloir véhiculer? On va prendre 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 44, 46 et 50. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 44, au nom de Jésus. Il est semé corps animal. Il est ressuscité corps spirituel. Il est semé corps animal. Et il ressuscite corps spirituel. Le premier Adam a été semé corps animal. Ça veut dire quoi? Il est une âme vivante. L'âme, en réalité, dans le corps physique de l'homme, représente le côté animal. Les animaux sont des animaux parce qu'ils sont uniquement constitués de l'âme et du corps. C'est à cause de cela qu'on les appelle des animaux. Et quand ils meurent, ils n'ont aucun sort parce qu'ils n'ont pas l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant qui peut les ranimer et qui peut vivre en eux. Est-ce que vous comprenez? Continuez. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il y a une différence. Il y a le corps animal et le corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Oui. Le premier homme, Adam, oui, devint une âme vivante. Le dernier Adam, oui, est devenu un esprit vivifiant. Le premier Adam est une âme vivante. Ça veut dire quoi? Il peut avoir accès au
et à ce monde physique, toucher les choses matérielles, parce qu'il est une âme vivante. Il a été formé de la poussière de la terre, et Dieu a mis l'âme en lui pour qu'il puisse interagir, il puisse être en relation avec la nature, les éléments de la nature. Ça, c'est l'âme qui permet le son, il entend, il a les sens, les cinq sens qui sont là et qui se manifestent, qui sont en lui. Donc Dieu a formé le corps matériel et le corps immatériel, le corps spirituel et le corps physique. Et c'est les deux qui se retrouvent ensemble, qui sont appelés chair. Si vous comprenez, lorsque le corps spirituel et le corps physique sont ensemble, on parle de la chair dans la notion biblique. Vas-y, continue, verset 50. Verset 50. Bon. Continue jusqu'au 50, Seigneur. Voilà. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Voilà. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ça veut dire que le corps qu'on a donné à Adam pour vivre totalement spirituellement, ce corps de chair qu'il a porté n'était pas le premier, n'était pas le véritable. C'est pourquoi après il a péché et toutes choses ont été renversées. Et c'est pourquoi Dieu, voulant rétablir les choses, n'a plus envoyé une âme vivante, mais Dieu a envoyé un esprit vivifiant. Continue. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Oui. C'est ce qui est animal. Ce qui est animal, c'est ça qui est le premier. Donc l'homme d'abord a une dimension animale et aussi une dimension spirituelle. La dimension animale de l'homme, c'est l'âme et le corps. Et la dimension spirituelle de l'homme est l'esprit qui est en lui, le souffle du Dieu Tout-Puissant. Oui. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Oui. Le second homme est du ciel. Oui. Tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même, que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Très bien. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter de le royaume de Dieu. La chair et le sang. Or, on nous a dit dans Lévitique 10, 17, 14 que l'âme de toute chair se trouve où? Dans son sang. L'âme de toute chair se retrouve dans son sang. On parle de la chair des hommes ou même de la chair des bêtes ou des animaux. Donc, lui, il dit ici que la chair, Paul dit ici que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Il est en train juste de nous parler du corps animal. Donc le corps animal ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui peut entrer, c'est le corps vivifié et le corps changé, renouvelé, le corps spirituel, le nouveau corps que notre Seigneur Jésus a porté. Parce qu'on fait la différence. L'autre est une âme vivante, mais celui-ci est un esprit vivifiant. Parce qu'il vient apporter la vie pour renouveler l'esprit de l'homme et changer le côté animal que l'homme avait. Ça, c'est la première définition de la chair à la connaissance biblique. Il y a aussi une autre définition de la chair. Cette définition montre que la chair est cette substance qui pousse l'homme au péché. Cette substance qui, dont les objectifs, les besoins vont conduire l'homme à commettre ce qui n'est pas bon ou ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Ça, c'est le côté de le deuxième niveau de la définition de la chair. Ça, c'est l'ensemble du péché et du corps. La chair, c'est-à-dire le péché dans le corps de l'homme. Mais la première définition, c'est la chair et qui est l'ensemble de l'âme et l'ensemble du corps ou de notre peau.
l'âme qui réside dans la peau. Et la deuxième définition, c'est la chair qui représente le péché dans, en, le péché dans la vie de l'homme. Ou l'addition du péché au corps de l'homme. Ça, c'est la deuxième définition de la chair. Et la parole de Dieu a été claire sur cette définition. Selon 1 Corinthiens 2,14. Lisez-moi 1 Corinthiens 2,14. Si. 1 Corinthiens 2, verset 14, le nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on la juge. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu sont pour lui une folie, et c'est spirituellement qu'on juge. Or, le corps qu'il porte, c'est un corps charnel. C'est un corps livré au péché. Et l'apôtre Paul a dit dans Romains 7, on va revenir sur ça, on va bien expliquer. Il dit, je sais que la loi est bonne, mais moi, je suis charnel, livré au péché. Je suis charnel, livré au péché. Pourquoi? Le péché habite dans mon corps, parce que c'est un corps mortel. Ça, c'est aussi une définition de la chair. Donc, la chair est le corps et le péché, ou la chair est encore le corps et notre âme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si vous ne comprenez pas, il faut demander. Vous ne comprenez pas. Je dis, je parle de deux définitions de la chair. La première définition, c'est que la chair est l'ensemble, l'ensemblage, ou bien le fait de mettre ensemble notre corps. Que vous voyez, c'est ça qu'on appelle le corps matériel. C'est ça qui a accès aux choses physiques, ce corps. Et le corps immatériel, qui est aussi comme nous sommes, qui a la même physionomie que nous, qui a la même forme que nous, mais qui ne se voit pas, mais qui est en nous. Et c'est ça qui permet à ce qu'on puisse bouger. C'est ça qui nous permet de parler. C'est ça qui permet à ce corps d'être actif. C'est pourquoi quand quelqu'un perd le souffle, quelqu'un meurt, il devient comme, il dit, n'a aucune valeur. Parce que l'âme l'a quitté. Cette forme de son corps qui est spirituelle, qui lui permet de marcher, de bouger, de courir, a quitté. Et il ne peut plus marcher. Il devient juste comme un simple objet. Donc cette dimension de l'homme n'est pas la plus importante. La plus importante. Mais les plus importantes commencent par l'âme et l'esprit. Mais l'âme se trouve au milieu. L'âme est comme l'élément, le fil qui connecte notre esprit et notre corps. L'âme est l'élément qui connecte le divin et l'humain. Donc l'âme au milieu de nous, ou bien en nous, nous permet d'interagir avec les hommes, avec la nature, de toucher et tous les cinq sens. Et l'esprit nous permet de connecter à Dieu et de parler avec Dieu. C'est l'esprit en nous qui fait que Dieu nous parle. Quand Dieu m'a parlé, j'ai entendu la voix de Dieu, c'est à notre esprit qu'il parle. Et c'est pourquoi c'est notre esprit qui l'intéresse en toute chose, d'abord, premièrement. Et c'est quand notre esprit est touché que l'âme aussi peut être maintenant délivrée et que le corps aussi peut être touché. Et ça se voit visiblement. Maintenant, j'ai aussi expliqué que la chair est aussi souvent vue comme le péché se trouvant dans le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que la première définition de la chair nous permet de voir que la chair n'a que des désirs qui sont terrestres, qui sont charnels. Parce que le sang ou le corps avec l'âme ensemble forment le corps animal. Et on nous a appris que l'homme animal, dans 1 Corinthiens 2,14, ne cherche pas les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu sont comme une folie pour lui. Donc, n'étant pas quelqu'un qui cherche les choses de Dieu, il est comme quelqu'un qui a le péché, qui habite dans son corps, qui habite dans sa chair. Donc, parce qu'il est animal, Dieu le voit comme pécheur, à cause du côté animal qui est en lui. Donc, vous devez savoir que le corps que vous portez d'abord est un corps de péché. C'est un corps animal, comme le corps des
C'est pourquoi quand tu meurs, mais quand l'homme meurt, on enterre de même qu'on enterre les animaux. Ou bien de même que les animaux disparaissent dans la nature. Ce qui est important dans l'homme, nous allons voir cela. Et nous allons comprendre quel est l'impact que cela peut avoir sur nous. Si nous avons la connaissance de ces notions, le Saint-Esprit va vraiment nous aider à dominer sur la chair, à comprendre que la chair n'a plus de pouvoir sur nous, la chair n'a plus rien à nous demander, on n'a même pas de compte à rendre à la chair, parce que nous deviendrons aussi des esprits vivifiants comme Jésus, étant sur la terre et aussi lorsque le Seigneur reviendra pour nous prendre avec lui. Alléluia. Vous allez me prendre le livre de Romains 7, 14 à 25 et le livre de Romains 8, 1 à 15. Et nous allons faire cette comparaison, cette analyse pour comprendre quelque chose. Après, on va aussi aller en profondeur pour parler de six éléments qui vont nous permettre de vaincre définitivement la chair. Alléluia. Romains 7, verset 14, je demande Jésus. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je sais. C'est de faire pas doucement, tu vas un peu trop. Pas doucement. Parce que la lecture même, c'est comme un enseignement fondamental. Parce que tout ce qu'on lit, c'est des enseignements qui ont été déjà donnés. Donc, quand tu lis comme ça, ça ne permet pas à tout le monde d'être attentionné. Donc, vas-y, doucement. Nous savons, oui, en effet, que la loi est spirituelle. Qui parle? Qui parle là? Paul. C'est Paul qui parle? D'accord. Mais moi, je suis charnel. Il dit, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. C'est ça le problème de plusieurs enfants de Dieu. La loi est spirituelle. La parole de Dieu est spirituelle. Mais vous, vous êtes charnel. C'est pourquoi je dis, vous êtes charnel. Quand on dit que l'homme est charnel, d'abord, ce n'est pas que l'homme est pécheur. C'est pourquoi j'ai donné les deux définitions de la chair. L'homme est charnel à cause de son côté animal. Et c'est ce côté animal qui le pousse à ne pas chercher les choses de Dieu. L'âme dans le corps s'habitue à rester terrestre, à rester sur la terre. C'est pourquoi il dit que le premier Adam est terrestre. Or, le premier Adam, en réalité, ce n'est pas cette matière seule. C'est cette matière qui a été formée, qui est la poussière. Mais on a fait affecter en lui deux entités. Le souffle de Dieu, le souffle divin, qui est spirituel et éternel. Et l'âme de Dieu, l'âme de l'homme que Dieu a mis en lui, qui est l'entité qui représente l'homme sur la terre, qui lui fait habiter sur la terre, qui interagit avec lui sur la terre. Donc, vous êtes charnel. Vous avez un corps charnel. Vous avez des désirs charnels. Vous avez des besoins charnels. Boire, c'est un besoin charnel. L'esprit ne boit pas comme le corps boit. L'esprit a uniquement besoin de la parole de Dieu. Parce que l'esprit a été tiré de Dieu. Nous sommes tous venus de lui. Et nous étions tous en lui. Donc, ce qui nous empêche d'être en contact avec lui, c'est ce corps que nous avons, ce corps de chair que nous avons. Alléluia. Continue la lecture. Je suis charnel. Oui. Vendu au péché. Vendu au péché. Puisque je suis charnel, je suis en même temps vendu au péché. Parce que les besoins du corps charnel ne sont que les choses terrestres. Or, les choses terrestres, en les cherchant et en les poursuivant, je finis par pécher contre Dieu. Parce que les choses charnelles ne peuvent jamais opter, ou la chair plutôt ne peut jamais opter pour les choses spirituelles, les choses éternelles ou les choses célestes. Parce que la chair, c'est le sang. Et notre âme se trouve dans notre sang, dans notre ADN également. Mais le Seigneur va changer l'ADN de plusieurs. Et il va mettre lui son ADN pour que tu ne sois plus seulement charnel, mais que tu sois beaucoup plus spirituel. Vas-y.
Oui. Car, oui. Je ne sais pas ce que je fais. Ouais, il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Oui. Et je fais ce que je veux. Mm-hmm. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mm-hmm. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mm-hmm. mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi, le péché dans mon corps. Il dit, si je le fais, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça veut dire quoi? Mon esprit en moi ne veut pas faire ces choses. Mais puisque je suis recouvert de ce corps, dont les désirs sont contraires aux désirs de mon esprit qui sont en moi. Parce que mon esprit doit chercher Dieu. Parce que l'esprit de tout homme cherche l'éternel, désire Dieu. Donc moi je veux bien faire, l'homme intérieur qui est en moi veut bien faire, mais cette dimension auquel j'appartiens me retient. C'est pourquoi parfois il dit, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Comment est-ce que le péché va habiter en lui? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a fait habiter le péché en nous, par sa volonté, au départ? Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas que le péché habite dans l'homme, mais l'homme lui-même a accepté que le péché cohabite avec lui par la transgression. Et c'est même pour cela que Dieu voulant sauver l'homme, sachant que tout est venu, tout le problème de l'humanité est d'abord venu par ce côté, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit, qui ont été détachés de la source divine. Quand Dieu a voulu sauver l'homme, il a porté lui-même le corps pour détruire le corps du péché dans sa chair et pour nous donner maintenant une garantie, une assurance en lui. En tout cas, tout est expliqué. Quand on va continuer, vous allez comprendre. Oui. Mm-hmm. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Mm-hmm. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Mm-hmm. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mm-hmm. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal m'est attaché. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur, c'est qui? Je prends plaisir à la loi de Dieu. Bon, ne parlez pas tous ensemble, je veux quelqu'un. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est qui? C'est Paul qui parle. Quand il dit je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, je vais essayer quelqu'un. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Intérieur, l'homme intérieur. Qui veut répondre ici? Sœur Ruth. Donnez le micro à ça. Shalom, peuple de Dieu. Selon moi, l'homme intérieur, c'est l'esprit qui est en nous. L'esprit de Dieu qui habite en nous. Très bien, c'est ça. L'esprit de Dieu qui est en lui. Bon, d'abord, l'esprit de l'homme qui est en lui. Son esprit à lui. Son esprit est tiré de Dieu. Mais c'est son esprit à lui. Qui est l'homme intérieur. Il prend plaisir à la loi de Dieu. C'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui cherche Dieu. C'est pourquoi parfois, même n'étant pas chrétien ou ne connaissant pas Dieu, tu vas remarquer que même quand tu pèches, tu commets le péché, il y a cette faculté en toi qui te rappelle que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et qui attire à ton attention sur l'existence d'un être suprême qui peut-être est en train de te voir. C'est comme si tu sais, personne ne t'a informé, personne ne t'a dit. Même si on ne t'a pas enseigné, même si tu n'es dans aucune religion, tout homme sait qu'il y a un Dieu suprême à cause de son esprit. Parce que l'esprit, on ne lui apprend rien. L'esprit est conçu pour tout connaître. L'esprit est conçu pour avoir la science des mystères. Donc c'est l'esprit qui sait tout. Et Dieu étant esprit a mis cette faculté en l'homme. C'est pourquoi il demande à l'homme de dominer sur la terre. Et il dit à l'homme que tu es aussi Dieu comme moi. Jésus l'a aussi rappelé cela. Vous êtes des dieux. Mais parce que vous êtes ignorant de cette nature que je vous ai donnée, vous tombez et vous péchez contre moi. Or vous êtes des dieux. Et c'est cette nature de Dieu en nous
qui a été perdu par Adam depuis le péché dans le jardin, que Jésus est venu restaurer. C'est pourquoi lorsqu'il revient et que celui qui l'accepte, il dit quoi? Et que quelqu'un l'accepte, il dit, celui-là, il lui donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il lui donne aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu, maintenant par adoption. Il devient enfant de Dieu et n'est pas né selon la chair, il n'est pas né selon le sang. Est-ce que vous comprenez? Mais il est né selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. On précise qu'il n'est pas né selon la chair. Il n'est pas né aussi selon le sang. Or, nous savons que la chair, c'est notre corps, c'est aussi notre âme. Donc, nous ne sommes pas nés en Jésus selon l'âme, selon le corps. Mais nous sommes nés selon l'esprit. C'est l'esprit que Dieu sauvera. C'est l'esprit que Dieu sauve. Et c'est l'esprit que Dieu veut. L'âme, c'est nous-mêmes. C'est notre identité qui nous permet de vivre sur la terre. Le corps, c'est la partie animale qui sera détruite totalement à la mort directement ici sur la terre, qui n'existera même plus. Et là, c'est la partie spirituelle. L'esprit, c'est la partie spirituelle, mais qui est éternelle. Est-ce que vous comprenez? Le corps est la partie qui n'est ni spirituelle ni éternelle, ce corps matériel. Il sera détruit, sera jeté. Et n'aura plus de souvenirs. L'âme, c'est l'entité spirituelle dans l'homme. L'esprit, c'est à la fois l'entité spirituelle et éternelle que Dieu a mis dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? L'âme est spirituelle, c'est pourquoi on ne la voit pas. L'âme se trouve dans la chair et est spirituelle. Et on ne peut la voir. Et l'esprit est aussi spirituel et l'esprit se trouve en nous. Et on ne peut voir l'esprit. Mais la seule différence entre les trois, c'est qu'il y a le corps qui n'est ni spirituel ni éternel, qui est juste physique, éphémère, matériel, qui va mourir, qui va être détruit, à l'instant qui va disparaître. C'est pourquoi vous ne devez pas miser sur votre corps. Vous ne devez pas chercher seulement les désirs du corps. Le corps sur la terre va se laver, va faire ses besoins, tout, c'est fini là. Mais si tu donnes trop d'attention à ton corps, au lieu de donner l'attention beaucoup plus à ton âme et surtout à ton esprit, tu seras un homme charnel. Or, la volonté de Dieu, c'est que notre esprit soit renouvelé en lui et soit toujours en lui. Donc, l'apôtre est en train de nous expliquer comment est-ce que ça se passe, parce que lui-même, il a vécu. Il a vécu réellement. Ce n'est pas une histoire ou bien comme une énigme ou une parabole qu'il est en train de dénoncer ou bien quelque chose une histoire qu'il raconte. Non, mais c'est quelque chose que lui-même a vécu. Il voit qu'en lui, il y a quelque chose qui veut aimer Dieu. C'est ça son homme intérieur, qui est l'esprit. Mais une chose qui l'empêche d'aimer Dieu, il veut pratiquer la justice, mais il se retrouve à ne pas pratiquer la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est appliquée en lui, la loi du péché de la mort, qui est appliquée dans sa chair. C'est la chair en nous qui applique la loi du péché, qui applique la loi de la mort. Et c'est cette chair qui sera détruite par Dieu. C'est cette chair que Dieu a en horreur. Mais l'esprit, Dieu va le conserver pour toujours. Continue. Mais je vois dans mes membres, oui, une autre loi. Je vois dans mes membres une autre loi, oui. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Qui lutte contre la loi de mon entendement, oui. Et qui me rend captif de la loi du péché. Qui me rend maintenant captif de la loi du péché. Cette loi qui se trouve dans mes membres et qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est ma nature animale que j'ai. C'est ça, toute cette loi qui lutte non seulement contre la loi de mon entendement et qui lutte aussi contre mon homme intérieur. La loi de l'entendement, c'est ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc l'entendement, c'est la loi qu'il a écoutée. La loi dit, tu ne fais pas ça,
tu ne tues pas, tu ne fais pas, aime Dieu, aime ton prochain. Tous les éléments de la loi. Son entendement lui dit, ne fais pas. Parce qu'il a appris de Dieu. Mais la loi qui régit son côté animal, qui est dans sa chair, ne lui permet pas de faire toutes ces choses. Donc il est maintenant une guerre farouche entre la chair et l'esprit. Donc qu'est-ce que Dieu demandera? Qu'est-ce que Paul a fait pour se libérer? Il a compris que pour détruire une loi, il faut apporter une autre loi. Parce qu'il a dit, j'ai vu une loi qui lutte, qui se trouve, qui lutte contre la loi de mon engagement et qui se trouve dans mes membres. Après, il va désigner sur cette loi qui lutte contre lui. Donc, Dieu lui a donné maintenant, ou bien Dieu a mis à sa connaissance une autre loi qui est plus forte et plus puissante que cette loi qui est en train de le condamner, qui est en train de l'affliger et qui l'empêche réellement d'obéir à Dieu. Alléluia. Oui. Et qui me rend captif de la voix du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Pourquoi? Parce que ce corps qu'il porte est un corps qui va mourir, qui va être détruit, qui va me délivrer. Paul, regardant son état, voyant ce qu'il arrive, finalement se demande, est-ce que je peux être délivré? Qui se dit ça ici? Est-ce que je serai délivré de cela? Est-ce que finalement le péché peut être hors de ma vie? C'est arrivé aussi à l'apôtre Paul. Qui me délivrera? Mais Paul a reçu sa délivrance. Et dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Ce que j'entends me pousse à être esclave de la justice. Parce que la loi de Dieu, c'est la justice. C'est la vérité. Mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Dieu en moi, c'est l'esprit. La chair en moi, c'est mon côté animal. Donc il y a une guerre entre l'esprit de Dieu et ma chair, mon côté animal. Il y a guerre entre mon esprit et le côté animal qui se bat de jour en jour. Cette guerre est la guerre la plus farouche. Je dis souvent aux enfants de Dieu et aux chrétiens, ce n'est pas pour décourager ou pour enlever certaines connaissances qu'ils ont. Je leur dis souvent que le plus grand combat spirituel qu'ils doivent mener n'est pas le combat directement contre Satan et ses agents parce qu'ils les ont déjà vaincus. Et il faut qu'ils croient à cela. Le plus grand combat spirituel, c'est le combat entre la chair et l'esprit. C'est ça le combat que tu dois mener. Pour que ta nouvelle naissance soit réellement manifestée, soit une garantie de salut pour toi. Sinon, tu vas passer tout ton temps à chasser les démons, à guérir les malades, ou à faire des prières de feu, de nuit, de veille. Mais tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que tu as laissé le vrai combat et tu t'es attaché aux choses inutiles. Le diable est où? Le diable est où? Il est sous nos pieds. Les démons sont où? Ils sont sous nos pieds. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de nous influencer. Parce qu'ils savent que si nous n'avons pas réussi cette guerre, si nous ne sommes pas victorieux dans cette guerre, dans ce combat, eux, ils sont au-dessus de nous. C'est comme ça l'ennemi peut être au-dessus d'un enfant de Dieu ou que le diable peut te miroiter, te mentir, te faisant croire qu'en réalité il t'a vécu. Or, tu as reçu tout le pouvoir de Dieu pour que le diable ne puisse rien faire contre ta vie. Mais c'est lorsque la chair en toi a vécu l'esprit, a dominé ton esprit, a pris le pouvoir sur l'esprit et que ton esprit meurt en toi, que le diable ne
était mort en Adam. C'était l'esprit qui était mort en lui. Et Dieu l'a quitté. Dieu s'est retiré. Et il a été chassé du jardin. C'est pourquoi l'homme a péché. Et à cause du péché, l'homme mourut. Qu'est-ce qui est mort en lui? C'est son esprit qui est mort. Il est mort, mais il est toujours vivant. Il est mort, mais il est toujours vivant. Qu'est-ce qui est mort en lui? C'est la dimension spirituelle que Dieu a mis en lui, qui est son esprit. C'est cette dimension qui a été enlevée par le péché. C'est comme si il est mort. Il est là, mais il est mort. Maintenant, il faut maintenant que Jésus vienne la ressusciter. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, on nous parle de la résurrection. Tout le chapitre de 1 Corinthiens 15 nous parle des corps qui existent. Les corps célestes, les corps spirituels, les corps matériels et aussi les corps terrestres. Les corps célestes, les corps terrestres, les corps spirituels et aussi les corps matériels ou bien physiques. Nous avons le corps céleste qui est le corps que nous allons porter à la résurrection lorsque Jésus va venir. C'est ça le corps céleste que nous allons porter. Personne ne l'a encore maintenant. Le corps spirituel se trouve en nous. Et il y a un autre corps qui est à la fois spirituel, mais qui est éternel, qui habite en nous. Donc l'homme a plusieurs dimensions. L'homme est issu de Dieu, l'homme est sorti de Dieu. Mais pour que l'homme habite sur la terre, Dieu lui a donné une âme. C'est comme son vêtement préféré, son habit à lui. C'est pourquoi quand tu pêches, tu commets le péché, tu fais aussi mal à ton âme. Tu fais mal à ton âme et ton esprit reste impur et souillé. Et tu ne peux pas être sauvé. Mais je sais que le Seigneur va te libérer par sa connaissance. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc Paul a vécu toutes ces choses. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit dans le chapitre 8 du même livre de Romains? 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, oui. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Parce que le péché se trouve dans la chair. Pourquoi tu vas voir que tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout pour vaincre un péché, mais finalement le péché revient. Parfois certains finissent de faire 3 jours de jeûne. Et c'est après les 3 jours de jeûne qu'ils pêchent, ils font. C'est pourquoi ils ont prié, ils ont jeûné, ils vont faire les 3 jours, les 3 jours de jeûne. Ils vont refaire ça. Et finalement, ils se disent, moi, c'est fini, c'est l'enfer. Moi, je m'en vais à l'enfer seulement comme ça. Parce que finalement, ils voient qu'il n'y a pas d'issue. Pourquoi? Il y a le corps de la chair qui est là, qui continue à le dominer. Or, il y a une loi qui est la loi de l'esprit et de la vie qui est en Jésus. Cette loi vient maintenant nous délivrer de la loi du péché. Cette loi nous dit que par la foi en Jésus, nous avons l'assurance que notre chair n'a plus de pouvoir sur nous et que l'Esprit de Dieu en nous domine la chair. Je vous dis, ce que tu crois, c'est ça qui va t'arriver. Parce que tout se passe dans le système de pensée ou dans l'esprit de l'homme. Si tu ne crois pas que ta foi en Jésus te donne la victoire sur la chair et sur toutes les œuvres ou les désirs, les passions de la chair, tu seras toujours malmené par la chair. Tu te verras toujours comme ami avec le péché. À partir d'aujourd'hui, commence à te voir au-dessus du péché, au-dessus de la chair et de toutes ses œuvres. En ce moment, lorsque la chair te parle, tu entres en esprit, tu dis, tu fuis, tu te réfugies en esprit, tu lui dis de se calmer, tu le laisses, il va faire du bruit, il va se calmer. Parce que la chair fait du bruit, la chair se lève. Et il faut que tu satisfais la chair pour que la chair te relâche. Et quand tu finis de satisfaire la chair, ta conscience commence en même temps à te condamner, à te reprocher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la chair commence, entre en esprit. Et tu vas voir, la chair va s'affaiblir. La chair va faire du bruit, mais finalement, la chair va s'affaiblir. C'est pourquoi vous devez aussi comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes en Jésus
que la chair ne va plus vous menacer, que la chair ne va plus essayer de vous avoir, que le péché ne va plus essayer de vous imposer ses lois. Non, c'est maintenant même que vous êtes en Jésus que le péché, la chair vont tout faire pour vous avoir. Mais vous, vous savez déjà que vous êtes plus fort que la chair et ses désirs. Vous avez reçu le Seigneur et qui a fait de vous des hommes spirituels mis à part. Donc, si vous, lorsque vous croyez à ça et que vous l'inculquez, lorsque la chair commence à se manifester, vous ne lui donnez pas du temps. Vous ne donnez pas du temps à la chair. Lorsque la colère commence à se manifester en moi, qu'est-ce que je fais? Je laisse la colère passer. Ce n'est pas parce que la colère vient en moi que directement je suis impur. Non. La colère viendra tous les jours que Dieu fait. La colère viendra. Mais il faut avoir la capacité de maîtriser la colère. C'est pourquoi Paul dit, lorsque tu pêches, un verset où il parle de la colère, qui se rappelle? Que le soleil ne couche pas sur ta colère. Que le soleil ne couche pas sur ta colère. Ça veut dire quoi? La colère va venir. Le péché va se trouver à ta porte. Pourquoi? Tu es toujours dans ce monde. Tu es toujours en contact avec le monde visible, avec le corps qui est animal. Donc, il va toujours avoir tendance à t'amener vers les choses de la terre. Il va t'attirer vers les choses terrestres. Donc, c'est à toi maintenant d'être renouvelé par la connaissance de Christ, par l'intelligence que Christ te donne. Et par cette connaissance, lorsque la chair se manifeste, tu ne portes pas attention sur la chair. Tu ne portes pas attention sur ses désirs. Tu ne portes pas attention sur ses manifestations. Tu l'ignores. Et en l'ignorant, tu commences à développer ton esprit, à grandir en esprit, à nourrir ton esprit par la parole de Dieu, par les éléments de la parole de Dieu. Continuons. Car chose impossible à la loi, Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est pas selon d'abord l'esprit de Dieu. C'est nous qui marchons selon l'esprit. Pourquoi? L'esprit de l'homme d'abord cherche Dieu. L'esprit de l'homme a une substance de Dieu. Donc, fais en sorte que ton esprit à toi d'abord puisse dominer sur l'âme, ses besoins et le corps. Si tu réussis cela, alors l'esprit de Dieu va te conduire définitivement. Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi ne cherchera jamais à commettre du péché. Jamais. L'esprit, lui, ne pêche pas. L'esprit n'aime pas le péché. L'esprit ne veut, n'a pas la culture du péché. C'est la chair en l'homme qui le pousse à pécher pour souiller son âme et son esprit. Donc, nous devons marcher selon quoi? L'esprit. Dans la recherche de Dieu. Dans la recherche de Christ. Et c'est là maintenant que l'esprit va nous conduire à découvrir l'esprit de Dieu, à découvrir les lois spirituelles de Dieu. Parce que c'est en Jésus que la loi de l'esprit de vie nous délivre de la loi du péché, de la loi de la condamnation, de la loi de la mort. Oui. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est clair, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aussi aux choses de l'esprit. À partir d'aujourd'hui, pouvez la chair commencer à vous affectionner aux choses de l'esprit. C'est pourquoi je dis souvent, en voulant vaincre la chair, ne cherchez pas plusieurs chemins, plusieurs voies. Commencez seulement à vous affectionner aux choses de l'esprit. Commencez à vous affectionner aux choses du Saint-Esprit. Et à force de vous affectionner, plus vous cherchez, plus vous vous affectionnez, plus l'affection de la chair diminue. C'est comme une balance.
plus je mets du côté positif, le côté négatif diminue et descend. Et je monte en esprit, je monte. Et finalement, ça deviendra comme une habitude où la chair sera totalement vaincue et tu auras désormais la culture de l'esprit. C'est en ce moment que tu deviendras un homme spirituel. Il y a beaucoup qui sont des hommes spirituels sans être des chrétiens. Est-ce que quelqu'un sait ça? Qui ne sait pas ça? Qui ne savait pas? Oui? Ils ne sont pas sauvés pour aller au ciel, mais ils sont des hommes spirituels. Comment est-ce qu'ils sont des hommes spirituels? Ils ont su développer leur esprit. Parce que j'ai dit, l'esprit ne pêche pas. L'esprit est en nous. Il encaisse tout ce que le corps fait, tout ce que la chair fait. L'esprit encaisse et l'esprit peut être souillé. Mais l'esprit lui-même, la culture que Dieu lui a donnée, ce que Dieu a mis en lui, c'est de toujours chercher Dieu. C'est toujours d'être connecté à Dieu et de faire des choses qui, de faire de bonnes choses ou bien de bonnes œuvres. Donc il y a des personnes qui pratiquent certaines spiritualités où ils entrent en méditation. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les moines ou les bouddhistes, ils sont nombreux. Même il y a certains musulmans. Et il faut la pratique de ce qu'on appelle le yoga ou même de beaucoup d'éléments en esprit. Pourquoi? Pour affaiblir la chair. Et l'homme chalet n'est pas forcément ou toujours celui qui commet le péché. Tu peux ne pas commettre le péché, mais tu es un homme chalet. Comment? Lorsque ton affection se porte sur les belles choses de la vie, que tes yeux physiques voient, sur la terre, sur voilà, la nourriture, sur les bonnes choses de la terre, du monde. Voilà, toi, ce que tu recherches, c'est seulement le bien-être terrestre. Tu es un homme chalet. Parce que la chair s'attache à la terre. C'est pourquoi la chair ne peut pas entrer au ciel. Mais l'esprit, lui, il regarde toujours son origine. Parce que l'esprit sait qu'il n'est pas ici. L'esprit sait qu'il retournera à son origine. Qui va retourner à sa faculté éternelle ou à sa dimension éternelle. À son point de départ. Parce que l'esprit était enfui en Dieu et a été envoyé. Et l'homme même, c'est l'âme et le corps sur la terre, dans la dimension du physique, sur la terre, pour permettre à l'homme de mouvoir. Mais l'homme était en Dieu et c'est ça l'esprit. Donc, malgré que tu commets le désordre, malgré que tu vis une vie qui n'est pas bonne, ton esprit sait qu'il retournera à Dieu. Il sait qu'il retournera à l'éternité. Quand on dit l'esprit retournera à Dieu, c'est que l'esprit retournera à l'éternité parce que Dieu est éternel. Et l'esprit en l'homme est à la fois spirituel, mais surtout éternel. Donc Dieu ne viendra pas sauver des hommes animaux. Il ne viendra pas sauver des hommes chairs, des hommes qui s'affectionnent seulement à la chair, aux choses de la chair, aux choses de la chair. Donc ce n'est pas parce que j'ai commis l'impudicité seulement que je suis un homme chanel. Si je commets l'impudicité, je suis charnel. Ça, on le sait. Mais le fait de commettre l'impudicité n'est pas seulement le critère pour définir que quelqu'un est charnel. Lorsque quelqu'un ne s'affectionne pas aux choses de l'esprit, lorsque quelqu'un n'a pas, je donne un exemple, l'amour dans son cœur, il n'a pas l'esprit de Dieu dans son cœur, il n'a pas l'affection aux choses d'en haut, il est un homme charnel. Il va mourir, c'est qu'ici, vont aussi mourir. Son affection va mourir. Sa mémoire sera oubliée parce qu'il a vécu seulement pour son corps, il a vécu seulement pour ses besoins. Quand il a sommeil, il va dormir, il va au travail, il mange, il grossit, il dort, il ne jeûne jamais, il ne médite pas, il ne nourrit pas son esprit. Or, la méditation est un grand élément qui nourrit l'esprit de l'homme. Que ce soit la méditation de la parole de Dieu, ou la méditation de tout autre concept, ou de tout autre livre, de documents, ou de toute autre chose, que ce soit négatif ou même positif. Quand tu commences à te nourrir de quelque chose, c'est ton esprit que tu nourris. Ça peut être la parole de Dieu. La parole de Dieu grandit ton esprit pour que tu sois connecté toujours à Dieu. Mais lorsque tu es nourri par de mauvaises paroles, tu es connecté à l'esprit de Satan. Parce qu'il y a des hommes spirituels qui ne sont pas des hommes spirituels de Dieu, mais qui sont des hommes spirituels
avec la science du diable. Ils sont spirituels, ils ont la connaissance, mais ils ne sont pas attachés à Dieu. Donc il faut commencer à savoir à partir d'aujourd'hui que l'homme spirituel, d'abord, ce n'est pas celui qui crie beaucoup. Quand je dis d'abord, il faut savoir que c'est aussi ça. Ou bien quand je dis ce n'est pas seulement, il faut savoir que c'est aussi ça. L'homme spirituel n'est pas d'abord ou seulement celui qui crie beaucoup, mais d'abord celui qui connaît. La connaissance, c'est la spiritualité. Quand tu connais, tu es spirituel. Là, tu peux prier. Mais celui qui passe son temps à prier du matin au soir et qui n'a aucune connaissance des choses spirituelles est beaucoup, est plus charnel que toute personne. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui jeûnent, qui font trop de prières, mais rien de chrétien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la prière qui nous connaît à Dieu, mais la connaissance de Dieu qui nous pousse à prier pour connaître Dieu. Amen. Quand tu ne connais pas Dieu, comment est-ce que tu vas prier? Tu n'as rien, tu n'as aucune connaissance, mais tu veux prier sur la base de quoi? C'est pourquoi les hommes spirituels ne recherchent pas seulement d'abord la prière, mais ils recherchent à nourrir leur esprit par la parole de Dieu. Et leur esprit étant nourri maintenant, leur prière monte directement au ciel. Parce que la connexion est créée entre eux et Dieu. C'est pourquoi il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui a manqué quoi? La connaissance. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance qui fait de toi un être spirituel. Qui fait de toi une femme et un homme spirituel. Donc quand tu n'as pas cette connaissance, tu es charnel. Tu as la connaissance sur les choses seulement que tu vois. Et tu ne cherches pas à connaître les choses. Tu as les choses d'en haut, tu restes toujours charnel. Donc, ce n'est pas la connaissance maintenant que l'ignorance, le voile de l'ignorance est déchiré. Et ce n'est pas la connaissance qu'on peut avoir le pouvoir sur les démons, sur Satan, sur le diable, sur tout son royaume. Satan a peur uniquement des hommes qui ont la connaissance des choses spirituelles. Satan n'a pas peur de ceux qui prient et qui abandonnent la connaissance de Dieu. Satan, le monde des ténèbres, ont peur de ceux-là qui s'attardent uniquement à rechercher la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, là, Paul dit, il parle de ceux qui s'affectionnent à la chair. Il dit, ceux qui s'affectionnent à la chair, ou mais aux choses de la chair, bon, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Leur désir, leur imagination, tout ce qu'ils voient quand eux dorment, ils se réveillent, c'est les choses spirituelles. Et ils grandissent en maturité. C'est pourquoi tu ne dois pas éloigner de toi la parole de Dieu. C'est ton seul élément de suivi dans ce monde. C'est le seul élément. Imagine que tu dors et un esprit vient t'attaquer. Tu n'as aucune semence de la parole de Dieu en toi. Et tu veux prier comment? Tu vas commencer à envoyer feu. Il va t'aimer, il va rire. Parce que peut-être que l'esprit, c'est même l'esprit est aussi feu, peut-être. Parce qu'il y a des démons qui sont du feu. Tu vas envoyer feu, ça ne lui fera rien. Mais lorsque tu connais la parole de Dieu et que tu commences à prier à part de ce que la parole de Dieu a dit, l'esprit te respectera. Parce que l'esprit n'entend pas tes paroles, mais l'esprit a besoin d'entendre la parole de Dieu pour se soumettre. Donc c'est très important que vous ayez cette culture-là. Très, très important. Oui, il faut continuer, tu vas finir. Et la version de la chair, c'est la mort. La version de la chair, c'est la mort. La mort. C'est pourquoi on dit que la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est la mort. La chair ne peut jamais hériter le royaume. Si tu es l'homme charnel, tu ne peux pas entrer au ciel. Et j'ai bien dit, je vous ai défini ce qu'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est qui? C'est d'abord celui qui est fait de chair, de corps et d'âme. Le corps et l'âme, c'est l'homme animal et l'homme charnel. Donc, un tel homme
sans l'Esprit de Dieu ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé et il ne peut jamais voir Dieu. Il ne peut pas entrer au ciel. Parce que l'âme et la chair sont faits pour habiter sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ou bien tu ne comprends pas encore? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, tu lèves la main. Si tu ne comprends pas, tu baisses la main. Ok, pourquoi tu ne comprends pas? Celui qui a baissé la main, on va l'interroger. Qui a baissé la main? Non, on est là pour apprendre. Parce que quand on va prier, c'est à base de cette connaissance qu'on va prier. On ne peut pas commencer à prier seulement comme ça. Ne pas oublier aussi, notre thème, c'est vivre pleinement la vie de l'esprit pour des expériences vivantes et surnaturelles. Donc, il faut vivre la vie de l'esprit. Il faut connaître les choses de l'esprit. Oui? Pourquoi tu ne comprends pas? Quel est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Donne-lui le micro. Qu'est-ce que tu comprends? Non, il faut parler, non? Mais premièrement, tu m'as dit que tu comprends. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu sais de quoi on parle? Bon, le Seigneur t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes. Amen. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, dites-moi. Et je vais encore vous expliquer. Pour que ça ne soit pas une confusion en vous. Peut-être qu'on n'aura même pas le temps pour les questions. Bon. Il faut poser ta question. Shalom, shalom. Ok, moi, c'est que je n'ai pas bien compris la partie où on dit que la chair, c'est l'âme et le corps physique. D'accord. Enfin, prenez, lis, donnez-lui le micro, lis-moi Lévitique 17, 14. Chapitre 17, verset 14, sur le nom de Jésus. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Tu comprends quoi de ce passage? Qu'est-ce que tu comprends? Bon, dans ce passage, je comprends que l'âme de toute chair, c'est son sang et c'est contenu en même temps dans son sang. Donc celui qui boit le sang boit également l'âme de la personne, consomme également l'âme. C'est pourquoi Abel dit par exemple quand Caïn a tué Abel. Oui, quand Caïn a tué Abel. Le sang de Abel a commencé à réclamer juste. Et le sang, c'était quoi? C'était l'âme de Abel. Très bien. Et Paul lui dit quoi? La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et tu as dit que le sang, c'est quoi? Le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est quoi? Donc Paul est en train de nous dire quoi? Que l'âme n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est ça, non? Oui. Ou bien c'est moi qui mens? Ou bien qui comprend et qui ne comprend pas? Attends, laissez-lui le micro. Lévitique 17, 24 dit quoi? 14. Lévitique 17, verset 14 dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Ça veut dire que le sang de maman Anne, c'est son âme, ou bien mon sang, c'est mon âme, ou bien c'est ça mon ADN, ma personnalité.
C'est ça mon âme, c'est mon âme à moi. Et Paul vient nous dire que la chair ni le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Qui a fait la mathématique ici? Ou bien la science? On va utiliser la mathématique. On sait que l'âme se trouve dans le sang. Ou bien l'âme même, c'est le sang, n'est-ce pas? L'âme de tout homme, ou bien le sang, non, l'âme de tout homme se trouve dans son sang. C'est pourquoi quand le sang est vidé, l'homme meurt. Parce que c'est lui, c'est sa personnalité. Et maintenant, on nous dit que le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Or, nous savons que le sang, préalablement, a été défini comme l'âme. Donc, si on remplace le sang par l'âme, ça va dire quoi? Ça va dire, dans 1 Corinthiens 50, la chair et l'âme n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ça? C'est parce que peut-être tu as certaines connaissances qui sont là, qui n'ont pas été enlevées, que tu doutes encore. Sinon, la parole de Dieu est claire. Et nous allons vous faire comprendre ça. Ézéchiel nous dit aussi dans Ézéchiel 18, il nous dit, dans Ézéchiel 18, 20, il dit, l'âme qui pêche, c'est elle, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, non, exactement le même. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est pourquoi on disait œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tue par l'épée sera tué aussi par l'épée. Celui qui vide le sang de son prochain, son sang aussi sera vidé. On lui retranchera aussi son âme et il mourra. Parce que quand l'âme meurt, on quitte la dimension de ce monde. On quitte ici. C'est pourquoi même les païens et les hommes aussi le savent. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il a fait quoi? Il a rendu l'âme. Donc l'âme n'est plus là. Le sang n'est plus là. Quand on touche son corps, on sent que son corps est vide. Son corps ne devient pas mort. Le sang est là, mais ce n'est plus un sang vivant. C'est un sang qui est mort et qui n'a pas de vie. Donc quand on nous dit que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu, on est en train de nous dire que tous les besoins de l'homme, les choses charnelles ici sur la terre, n'entreront jamais au ciel. Or nous savons très bien, bon, je ne sais pas si vous savez ou bien si tu sais, que c'est l'âme qui a le sens, c'est l'âme qui sent les douleurs. Est-ce qu'au ciel on sentira encore les douleurs? Nous savons très bien que c'est l'âme qui peut se marier. Est-ce que tu sais ça? Oui. Est-ce que tu sais que c'est l'âme qui se marie? Est-ce que tu sais? Non, il faut répondre. Oui. Tu sais que c'est l'âme qui se marie, non? Oui. Au ciel, on va se marier? Non. Non, je lui pose beaucoup la question. C'est à lui que je parle. Vous pouvez répondre aussi, mais lui, il faut qu'il parle avec moi. Est-ce qu'au ciel, on va se marier? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au ciel, on ne sera pas avec notre âme. Pourquoi c'est difficile pour toi de dire? Ou bien, attends, les questions que je te pose, c'est toi qui donnes les réponses. Est-ce que ces réponses sont fausses? Est-ce qu'au ciel, on se marie? Quelle dimension de l'homme se marie ici sur la terre? Et la chair, c'est quoi? La chair, c'est l'âme et le corps. C'est pourquoi quand les gens demandaient à Jésus, si quand il parlait d'une femme, une femme qui avait 7 maris, selon la coutume juive, ou quand le grand frère meurt, il faut que la femme veuve épouse le petit frère, ainsi de suite. Au ciel, dans le royaume de Dieu, qui elle va épouser? Ils ont demandé la question à Jésus. Il dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous n'avez pas connaissance des Écritures, ni de la puissance de Dieu, parce que dans le ciel, les hommes seront semblables au Fils de Dieu, c'est-à-dire aux anges. Les hommes ne prendront pas de femme. Les anges ont une âme. Non, ou bien, oui, ils ont une âme, oui. Ou bien. Les anges n'ont pas d'âme. Non, ils ont une âme. Ou bien, ils ont une âme, non? Les anges ont une âme, non? Non.
Donc tu veux me contredire, alors les âmes ont une âme, non? Non, je te pose la question, les âmes ont d'âme. Les anges du ciel, ils ont une âme, ou bien? Non, ils n'ont pas d'âme. C'est pourquoi, quand les anges viennent sur la terre, ils prennent le corps et après ils partent encore. Ils prennent le corps et ils partent parce qu'ils sont des esprits. Donc Dieu dit qu'au ciel, nous serons tous des esprits. C'est pourquoi quand Jésus est venu, on n'a pas dit qu'il est une âme vivante comme Adam. On dit qu'il est un esprit vivifiant. Le premier est une âme vivante. Le deuxième, qui est le plus grand, le plus important, est un esprit vivifiant. C'est pourquoi Dieu, là, quand on parle de la nouvelle essence, c'est notre esprit que Dieu change et transforme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au jour de l'enlèvement, au jour de la résurrection des morts, notre âme et notre corps, qui sont la chair, vont être changés pour revêtir le corps nouveau, qui est le corps céleste et glorieux. Et c'est un corps spirituel. Donc, la notion de âme et de chair vont disparaître. Et il y aura seulement la notion de esprit. Parce que on appelle Dieu comment? Le Dieu des esprits. Mon frère, c'est bon? Non, ce n'est pas bon. Parce que c'est bon. Quand on va finir, tu iras encore chercher. Un peu partout. Ou bien? Non, ce n'est pas bon. Mais le Saint-Esprit va ouvrir davantage ton intelligence. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça suit? Ce que je suis en train de dire, est-ce que ça trouve quelqu'un ou bien quelqu'un comprend? C'est simple. Si vous vous laissez éclairer par la parole, vous allez comprendre le sens de ce que je suis en train de dire. Maintenant, il faut comprendre ceci. À la mort, il y a autre chose qui se passe. Mais quand on parle du royaume de Dieu ici, on parle de l'éternité. C'est pourquoi j'ai dit que l'âme est spirituelle. L'âme de l'homme ou dans l'homme n'est pas éternel, c'est l'esprit en lui qui est éternel. C'est pourquoi c'est l'esprit qui retourne à Dieu. Vous dites quoi? L'esprit retournera à l'éternité. Parce que Dieu est éternel. Donc quand l'homme meurt, l'âme se détache du corps. Et l'âme étant spirituelle, l'âme a la conscience qu'elle vivait dans un corps, dans une enveloppe, et qu'elle a été retranchée, retirée de cette enveloppe. C'est ça qu'on appelle la mort. Donc l'homme va voir son corps qui est mort, qui n'a pas de vie, mais il va se retrouver avec son âme. C'est l'âme maintenant qui va purger ses pères, soit dans le séjour des morts, ou soit dans le paradis de Dieu. C'est l'âme qui va purger les pères de toutes ses actions sur la terre, pour un temps, parce qu'il lui faut un temps. Et à la résurrection, l'âme sera changée et va porter le corps glorieux et le corps incorruptible. Donc ce dont tu as peur, ou bien ce que tu crains, c'est que tu penses que je suis en train de dire qu'après la mort, il n'y aura pas, l'âme ne va pas exister. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ce dont tu as peur. C'est après la résurrection que l'âme n'existera plus. On ne parlera plus d'âme, mais on parlera des esprits qui sont, qui servent Dieu, qui sont en présence de Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu des esprits, des prophètes. Et il a fait de nous des esprits. C'est pourquoi il dit, un homme né de l'esprit est semblable à quoi? Du vent. Il est semblable à du vent. Et quand on parle du vent, on parle des anges. Donc on nous représente comme étant des anges. Parce que nous sommes semblables à du vent lorsque nous sommes nés d'esprit, lorsque nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi c'est l'esprit que Dieu transforme. Parce qu'il sait que c'est l'esprit qui va sauver pour toujours, pour le dernier jour. Est-ce que c'est compris maintenant? On va continuer. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Bon, non, attendez. Voilà. 51, verset 51. J'ai le nom de Jésus. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Oui, nous ne mourrons
pas tous, mais tous, nous serons changés. En quoi? Nous serons changés en un corps céleste. Qu'est-ce qui sera changé en nous? C'est notre chair qui sera changée. C'est pourquoi Dieu dit, ne marchez jamais selon la chair. N'ayez pas les désirs de la chair. Ne vous affectionnez pas à la chair. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Parce que la chair va mourir, va disparaître un jour. Mais l'esprit ne disparaîtra pas. Parce que l'esprit, c'est l'essence de Dieu dans l'homme. L'esprit vit par Dieu. De même que le corps et la chair, et là plutôt. Mais ce que Dieu va faire, Dieu va laisser pour l'éternité, c'est nos esprits. Alléluia. Qui comprend l'enseignement ou qui ne comprend pas? On ne va pas quitter ici pour dire qu'on n'a pas compris que voilà, et des choses comme ça. 1 Corinthiens 5, verset 5. Ça va vous faire connaître quelque chose. 1 Corinthiens 5, verset 5. Vous allez me lire à partir du verset 3. J'ai le nom de Jésus. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et dit, vous et moi, voilà, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan. Pourquoi? Pour quelle destruction? Pour la destruction de la chair. La destruction de la chair. Je vous ai donné la définition même de la chair. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. On sait que l'homme est composé de combien d'entités? Trois grandes entités. L'âme, l'esprit. L'âme et le corps. Et j'ai dit, l'esprit est éternel et spirituel. C'est pourquoi l'esprit est incontournable. L'âme n'est pas éternelle. L'âme est spirituelle quand même. Et le corps est charnel, éphémère, mortel. C'est le corps qui est là, le plus faible. C'est pourquoi vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, vous revenez. C'est pourquoi l'homme peut vivre pendant 100 ans, pendant 30 ans et mourir. C'est le corps le plus éphémère. Donc, Paul dit ici, il dit, vous et mon esprit étant assemblés avec l'esprit du Seigneur. C'est comme si mettons-nous ensemble. Notre frère a péché. C'est un frère qui a péché. Il parlait de l'impudicité dans l'église. Il a péché, on le reprochait, il ne voulait pas écouter. Il a pris même la femme de son père. Et on le reprochait, il ne veut pas écouter, il est devenu un rebelle. Donc pour qu'on le sauve, qu'est-ce qu'on va faire pour sauver son esprit au jour du Seigneur? Livrons sa chair à Satan pour que son esprit soit sauvé. Et quand il parle de la chair, il compare la chair à l'esprit. C'est pour dire quoi? Il a mis ensemble l'âme et le corps qu'il a appelé la chair. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il dit pour la destruction de quoi? De la chair. Parce qu'il sait que l'homme est composé de trois entités. Et les deux entités, l'âme et le corps, sont appelées chair. Et l'esprit est toujours esprit. C'est pourquoi il dit, laissez la chair être détruite. Parce que Dieu viendra prendre son esprit. Nous savons que Dieu l'a sauvé. Il a cru en Jésus. Tant qu'il ne relie pas Jésus, même à cause de ce péché, il sera sauvé lorsqu'il demeure en Jésus. Parce que son esprit a été renouvelé. Son esprit a été changé. Il est né de nouveau. Donc apprenons-le à ne plus commettre le péché. Livrons-le, chassons-le pour qu'il soit livré à Satan. C'est la même chose que Dieu a fait à Caïn. Lorsqu'il a chassé et il a mis une marque, il a mis un signe. Le signe était le symbole du salut qui était sur Caïn. Mais Caïn était vagabond. Il va souffrir sur la terre. Mais Dieu a mis une marque sur lui pour que personne ne puisse le tuer. Donc la chair sera détruite. Mais l'âme, l'esprit plutôt, sera sauvé. Donc c'est l'esprit qui sera sauvé définitivement au jour du Seigneur. C'est ça qui sera le corps spirituel que nous allons porter pour entrer au ciel. Parce que nous ne porterons pas le corps charnel. Je vais encore vous donner une explication. Dans Hébreux, le chapitre d'Hébreux nous montre que
Les anges sont des esprits à notre service, n'est-ce pas? Les anges de Dieu sont des esprits qui sont à notre service, qui sont des esprits à notre service. Et dans Matthieu 22, Jésus vient dire que les hommes seront encore des anges de Dieu dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Les hommes seront encore des esprits dans le royaume de Dieu. Parce que quand on remplace ange par, par homme, parce qu'on dit que les hommes seront les anges, et qu'on sait que les anges sont esprits, quand on remplace homme par ange, on voit esprit. Donc les hommes seront des esprits ou les hommes seront des anges au service de Dieu pour toujours. C'est pourquoi ils seront, ils ne mourront plus et ils resteront pour l'éternité. Ça, Dieu changera le corps. Il changera le corps corruptible que nous avons. Donc le corps corruptible que nous avons est ce corps qui nous permet de marcher ici sur la terre. Et le corps incorruptible que nous avons, c'est le corps spirituel que nous avons reçu. Et on peut avoir un corps incorruptible, un corps incorruptible, mais avoir, ne pas être aussi sauvé. Parce que le corps incorruptible n'est pas forcément immortel. C'est pourquoi je dis que le corps incorruptible qui est l'âme, qui est immatériel, sera changé. Quand je dis que l'esprit est spirituel et éternel, je dis aussi que l'esprit est incorruptible et immortel. Et l'âme est incorruptible mais mortelle. Est-ce que vous comprenez maintenant? L'âme est incorruptible mais mortelle. L'âme n'est pas immortelle. L'âme est incorruptible. Parce que l'âme n'est pas de la corruption du corps, du physique. L'âme est immatérielle. Et tout ce qui est d'abord spirituel est d'une certaine manière dans l'incorruptibilité. Et nous savons aussi que le spirituel est régi par un temps qui va aussi disparaître. C'est comme une dispensation qui va aussi disparaître. Pour que l'éternité apparaisse. Donc tout ce qui se trouve dans le spirituel aussi doit retourner à l'éternité. C'est pourquoi lorsque Jésus a porté le corps de chair, on nous dit finalement qu'il faut qu'il retourne à Dieu lui-même. Parce qu'un jour, la notion de fils de Dieu va disparaître. La notion de merci va disparaître. Et ce sera la notion du Dieu éternel qui va revenir. Est-ce que vous comprenez? Dans 1 Corinthiens, le même 1 Corinthiens 2:26, 1 Corinthiens 15:28, nous dit la même, 26 et 28 nous dit la même chose. Le Fils à qui on a tout soumis doit maintenant retourner à Dieu. Pourquoi? Le Fils a porté la corruptibilité, le corps, et il a aussi porté la chair. Et Dieu a permis cela pour qu'il détruise la chair. Il porte le corps, la chair, pour détruire la chair, pour crucifier la chair. C'est pourquoi ceux qui ont reçu Jésus ont crucifié la chair, ses désirs, ses passions. Et ce n'est pas qu'ils vont crucifier la chair. Ce n'est pas qu'ils vont crucifier les désirs de la chair. Mais ils ont crucifié la chair et ses désirs. Est-ce que tu crois que tu as crucifié la chair et ses désirs? Amen. Lorsque tu commences à croire et à avoir foi en cela, tu verras que la chair n'aura plus le pouvoir sur toi. C'est là que tu seras un homme spirituel. La pression aux choses de l'esprit sera en toi, ce sera comme il est en toi. Tu n'auras plus forcément à beaucoup penser ou à chercher ailleurs, parce que les choses spirituelles seront à ta portée. Parce que ce qui nous empêche d'être en contact avec Dieu, c'est la chair qui est en nous. C'est pourquoi Paul dit, je vois en moi une loi qui combat la loi de mon entendement. Ça, c'est la loi du péché et la loi de la mort. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les enfants de Dieu croient quand on leur dit que par Adam, ils sont pécheurs. Mais ils ne croient pas quand on leur dit que par Jésus, ils sont justes. Par Adam, tu es pécheur. Mais par Jésus, tu n'es pas pécheur. Tu es juste. Ça veut dire quoi? Celui qui est toujours adamique, c'est-à-dire celui qui est âme vivante, il est toujours pécheur. Mais celui qui est en Christ, il n'est pas pécheur, il est un esprit vivifiant. C'est pourquoi par lui, Dieu peut accorder la vie à tous. C'est pourquoi par lui, Dieu peut pardonner ou ne pas pardonner. Parce que l'esprit du Dieu puissant, le divin, habite désormais en lui. Donc quand on dit, faites donc mourir les membres de
de la terre. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, qui sont de la corruption. On parle de la chair. Parce que la chair a ses membres qui vont dans les désirs charnels, les désirs de la terre. C'est pourquoi il dit, la chair, ce n'est pas forcément le péché. J'ai donné deux définitions de la chair. La chair est d'abord ce qui nous connecte à ce monde visible. Le sang, l'affection aux choses de la terre, aux choses éphémères qui vont disparaître. Parce que la chair aussi est classée pour disparaître. Et en plus, ajoute le péché. Parce que le péché se trouve aussi dans les choses qui vont disparaître. Mais les choses qui demeurent, qui ne disparaîtront pas, c'est l'esprit qui les recherche. C'est pourquoi hier, je vous ai dit que l'amour, celui qui recherche l'amour, est un homme spirituel. Parce que l'amour fait partie des choses qui demeurent et qui ne disparaissent pas. Et l'amour est la plus grande même des choses, comme on l'a vu hier, n'est-ce pas? Alléluia! Gloire à Jésus! Qui est en train de comprendre? Avec le décryptage de Romains 7 et de Romains 8, l'apôtre Paul a expliqué ce qui lui est arrivé. Et finalement, Dieu a eu pitié de lui et Dieu l'a délivré. Parce qu'il s'est soumis à Dieu pour être libéré. Je vais vous faire lire ceci, que vous allez, que j'ai par inspiration écrit. En Christ, écoutez très bien, en Christ, nous recevons une garantie d'être au-dessus du péché. Puisque l'esprit que nous recevons est un esprit supérieur. Ça se trouve dans la suite de Romains 8. On n'a pas fini. Mais quand vous continuez, vous allez voir, quand il dit, ceux qui s'affectionnent à l'esprit, voilà, ce sont des hommes spirituels. Finalement, il parle aussi de l'esprit de Dieu qui s'ajoute à l'affection de l'esprit de l'homme, changé, transformé. Donc, étant donné que Jésus a lui-même, de façon définitive, détruit la chair par sa crucifixion. Ça se trouve dans Romains 8. Nous, ses disciples, nous aussi, nous sommes capables de faire taire tous les agissements du péché dans notre chair. Nous avons donc la victoire sur le péché, non pas seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Étant pour nous comme une promesse, Christ est pour nous comme une promesse que Dieu amènera à l'accomplissement le jour de notre mort et de notre résurrection des morts à la vie. C'est ainsi que sera détruit le guerrier de tous, de tous les ennemis de l'homme conçu par le péché. Cet ennemi, c'est la mort. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 15. Le verset 26. Donc l'ennemi véritable de l'homme, c'est la mort, et cette mort se produit par le péché. Cette mort se trouve aussi dans le corps de l'homme. C'est pourquoi on dit de glorifier Dieu dans notre corps mortel. Nous avons un corps mortel. C'est pourquoi quand le péché te frappe à la porte, c'est parce à cause du corps que tu portes que le péché vient. Maintenant, il faut pour toi un renouvellement d'intelligence qui t'écrit que le péché n'est pas dans ton corps. Ceux qui n'ont pas Jésus ont le péché dans leur corps. Mais ceux qui ont Jésus n'ont plus le péché dans leur corps. Amen. Le péché n'habite pas le corps. Et le péché ne peut pas résider dans le corps. C'est pourquoi il peut ressusciter à la résurrection. C'est ceux qui ont été vaincus par le péché. Ils sont morts, sont vaincus. C'est eux qui ne reviendront pas à la vie. Parce que le corps porte les gènes du péché. Mais en Jésus, notre corps qui était dominé par le péché, par les membres qui étaient en nous, sera changé et sera un corps glorieux. C'est pourquoi spirituellement aujourd'hui, nous portons le corps glorieux. Mais un jour, ce corps va se manifester. Mais ceux qui n'ont pas Jésus portent le corps corruptible, qui est l'esprit qui est toujours, l'esprit d'Adam qui est toujours dans le sommeil. Ils sont morts. Mais nous, nous sommes ressuscités dans notre esprit. Nous avons la résurrection de notre esprit et nous vivons pour Dieu. C'est pourquoi il dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis pour le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui m'a sauvé, qui a fait de moi ce que je suis.
Donc, nous ne vivons plus pour nous. Nous ne vivons plus pour la chair, mais nous vivons pour Dieu. Quand tu commences à croire cela, tu vas voir le péché commencer à te quitter. C'est un processus. Le péché va commencer à te fuir, parce que ce n'est pas à toi de fuir le péché. C'est au péché de te fuir. Amen. Tu es plus grand que le péché. Tu es au-dessus du péché. Dieu t'a mis au-dessus du péché. Dieu a vécu le péché dans la chair. C'est pas Jésus a porté la chair et il a été à la croix. Il a vécu le péché pour montrer que la chair a été crucifiée à la croix. C'est pourquoi à ça, avant qu'il ne meure, il dit, tout est accompli. J'ai accompli l'œuvre. Ceux qui vont se mettre derrière moi, ceux qui vont m'accepter, ceux qui vont me suivre, ils vivront par moi. Et c'est seulement et uniquement en moi qu'ils auront la vie pour leur âme. Mais c'est ceux qui vont se détacher de moi, qui ne vont pas vivre en moi, qui vont vivre par eux-mêmes, qui vont mourir. Ça pourrait dire celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra en moi, ou la perdra pour moi, à cause de moi, la retrouvera. Parce que je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Jean 11, 25. Vous ne croyez pas à ça, parce que je sens comme si vous ne savez pas la puissance qui réside dans la parole de Dieu. Non, c'est une croyance, c'est pour dire tout sortir par la foi. Les gens ont marché avec Dieu uniquement par la foi. Si tu ne crois pas, tu seras ce que tu es. Mais si tu crois, tu verras que cette foi commencera à transformer ta vie. Regardez comment notre maman Marie a témoigné que l'enseignement sur l'amour qu'elle a écouté a changé positivement sa vie aujourd'hui. Et parce qu'elle a commencé à manifester l'amour, à produire l'amour et à manifester l'amour dans ses prières pour cette personne qui a en charge de ses dossiers, le même jour, la personne l'a appelée et sans son dossier a été libéré. Peut-être, on ne sait pas, parce que Dieu sait faire ces choses. Peut-être, si elle n'avait pas écouté cet enseignement, ou même si elle n'avait pas appliqué cela, il n'y aura rien et elle ne saura jamais. Je dis bien peut-être. Je ne dis pas que c'est absolu. Peut-être. Donc ça veut dire quoi? Quand vous écoutez la parole de Dieu, quand on vous annonce la parole de Dieu, ayez la foi en cette parole. Croyez en cette parole. Parce que cette parole est une puissance. Cette parole est une force positive qui vient annuler tout faux raisonnement que le diable avait déjà mis en toi. Quand on dit que par Adam, nous sommes pécheurs, vous croyez vite. Mais quand on dit par Jésus, nous sommes justes, vous ne croyez pas. Pourquoi? Par Jésus, vous êtes juste. Commence à te déclarer cela. Par Jésus, je suis juste. Et la justice habite en moi. C'est ça? Voilà. Et la chair n'a pas de pouvoir sur moi. La chair n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi les premiers apôtres disaient quoi? Ils disent, j'aime beaucoup le verset de Galates 5, 24. On priait ici hier à midi quand Pasteur Mathias a sorti ça. Et j'étais très content. Je disais à David que j'aime beaucoup ce verset. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Ils ont crucifié la chair. Pourquoi? Parce que Jésus a crucifié la chair. En croyant en Jésus, moi aussi j'ai crucifié la chair. Adam est charnel. En étant Adam, en naissant comme Adam, je suis charnel. Puisque Jésus est spirituel, en croyant en Jésus, en demeurant en Jésus, en aimant Jésus, en suivant son modèle et en développant les pensées de Christ, je suis spirituel. Comme Adam est injuste, tous ceux qui sont nés en lui sont injustes. Comme Jésus est juste, le seul, moi, si je suis en lui et que je demeure en lui, devant Dieu, je suis juste. Amen. Amen. Il faut te l'appliquer et tu verras la manifestation dans ta vie.